Yo à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer la puce de décryptage qui va arriver à 15h. Donc c'est la numéro 38, voilà. Donc là on sait actuellement que c'est un robot à moitié, voilà, avec les skins de singularité. Donc voilà, les variantes plutôt, excusez-moi. Donc tout a changé, si vous voyez là, les menus ont changé déjà, les amis aussi. Voilà. Donc avec Sauve le Monde, moi j'ai débloqué le planeur rose et attendez, le planeur de Sauve le Monde, hein, bien sûr. Et la pioche de Sauve le Monde qui est là, voilà, celle-là. Et ça c'est aussi celle de Sauve le Monde. Et du coup, bah actuellement, cet après-midi, il y aura sûrement d'autres choses. Il y aura aussi les défis Ultime Effort qui vont arriver, des nouveaux skins et plein d'autres choses. Là, on va aller en terrain de jeu. Je vais vous montrer ce qu'il y a eu aujourd'hui sur plaisir plante. Donc, allons-y, c'est parti. On va y aller. Donc voilà. Alors je vous dis ça. Excusez-moi si je bug, mais je me suis couché à 4h du matin, mais voilà quoi. Donc je vais vous montrer comment c'est plaisir plante à l'heure actuelle. Car l'événement c'est dans 3 jours. C'est samedi. Ouais, c'est samedi, c'est dans 3 jours. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein. Franchement. Vous êtes pas prêts la team. Alors tac tac tac, confidentiel public privé tac. Alors voilà, alors tac, allez go, plaisir plaisir, on va aller là. Donc alors téléportation vers l'île. Alors là, vous n'êtes pas prêt la team. Vous voyez le robot, là il est fini d'être créé. Comme vous pouvez le voir, attendez, si ce bug, hein, c'était pas de ma faute. Là, comme vous pouvez le voir, il a la tête de l'expert des câlins, le corps, enfin le torse de l'expert des câlins, le bras du nomade, le bras de Rex, le pantalon, le... La jambe droite de Monsieur Tomate, la jambe gauche de Monsieur Turburger. Ah, voilà quoi. On dirait un Megazord, je vous le dis franchement. Voilà quoi. Et donc, comme je vous disais, c'est ça qui va affronter le monstre de Polar Peak. Voilà quoi. Attendez, on va aller là-dedans. Attends, c'est quoi celle-là? Ah, puis à la PM. Ah oui, cette PM là. Attendez, je vais faire un peu de construit. Ah là. Bah alors, voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le monstre qui va affronter le monstre de Polar Peak qui tourne tout autour de la map. Puis voilà quoi, il va l'affronter. Normalement, on aura des jetpacks, comme vous pouvez le voir. Ça dit, faut se mettre à l'abri dans les drones là-bas là. Voilà, attention, danger, nanana. Donc, faudra aller là-haut. Et toute la map, vous voyez toute la map qui est là-bas, hein, et bah ça, tout ça sera recouverte d'eau. Enfin, ça serait inondé. Donc, dans exactement, ouais, 3 jours, ça sera recouvert d'eau, tout ça. Donc, voilà. Et ceux qui veulent voir l'événement, bah, je ferai un live à ce moment-là. Donc, voilà la team. Bah, je voulais vous montrer le nouveau monstre, hein. Enfin, le nouveau monstre.
le robot comme il était, et puis voilà quoi. Tac. Oui, il a des roquettes, bah, il a plein de trucs, hein. Là, voilà, il est terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Il est gigantesque. On peut dire qu'on dirait un Megazord dans le truc, hein, je vous le dis franchement. Si vous avez connu Power Rangers, bah c'est à peu près le même genre. Voilà. Voilà, c'est à peu près le même genre, hein. Tagoué encore. Donc, attends, excusez-moi. Donc, bah, la team, bah, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très vite.